Voilà, c'est terminé. La pose de l'alternateur côté bâbord est terminée. Nous avons allumé le moteur. L'aérateur fonctionne. Les indications sont bien là au niveau de la charge. J'ai dû changer ce câble pour... c'est le câble de... le pack batterie de servitude qui alimente donc tout le bateau concernant le 12 volts. J'ai dû raccourcir également la cosse du câble pour le moteur et j'ai dû également remplacer la cosse et enlever 5 cm. Heureusement que j'avais du câble encore, un petit peu de rallonge. Alors je ne l'ai pas rallongé mais j'avais un peu de marge. Tout simplement, il faut être attentif pour ceux qui ont des bateaux. Regardez, et pourtant le bateau il a que 5 ans. Ça s'est cassé, la cosse s'est cassée net. Tout était pourri à l'intérieur de la cosse. Pourtant c'est du multibrin, etc. Ça tenait à rien, à rien. Et pourtant le bateau il a 5 ans. Donc les amis, je sais, il fait très chaud. Surtout dans la cale, il faut vraiment que vous soyez attentif à ça parce que je, franchement, quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Donc, je suis parti vraiment sur une installation nickel où l'intensité va pouvoir débiter. On va recharger très rapidement et beaucoup mieux. Donc, pour ceux qui ont des répartiteurs de charge dans leur cale moteur, etc., je vous invite à y jeter un œil de temps en temps tout autour de la. Des cosses, voilà, qui maintiennent sur les répartiteurs de charge, etc. Parce que là, c'est vraiment pas beau, pas beau, pas beau du tout. Mais sinon, bon, ça, j'avais pensé 3/4 d'heure d'installation, mais non, finalement, ça m'a pris 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie pour changer tout ce câble, etc. Donc, sertir, bon, enfin, bref. Mais sinon, l'installation me plaît. Voilà, et bien je vais m'atteler à faire, côté tribord maintenant. C'est la même chose, sauf que là, je n'ai pas les chargeurs de quai qui m'embêtent un petit peu, mais bon, ça devrait aller plus rapidement. Allez, au boulot. Voilà, donc on est sur la partie tribord. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de place, du moins beaucoup plus de place que côté bâbord. Donc là, c'est le câble de la servitude, batterie des servitudes, alternateur. Et ça, c'est le câble de la batterie moteur. Et là, donc, on se retrouve avec, comme tout à l'heure, le chargeur d'alternateur. Donc j'ai mis le pot sur le numéro 5, comme ce qui est préconisé par le fabricant de mes batteries. Parce qu'il y a lithium 1, lithium 2. C'est en fonction du voltage que le fabricant préconise pour recharger les batteries. Donc là on a le plot pour la batterie moteur. Là c'est les servitudes. Pour alimenter tout le bateau en 12 volts et là c'est la cosse de l'alternateur très rapide. J'y ai déjà branché également ici, c'est la connexion de la température de l'alternateur. Donc c'est là, j'aurais plus qu'à le brancher au pôle négatif ici de l'alternateur. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à faucon, hein, comme on dit. Oh, j'aurais passé ma journée à ça finalement. Mais bon, celui-là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc pas de souci. Allez, je vous montre ça, le résultat tout à l'heure. Voilà, j'ai mis power. Et donc, c'est bien allumé. Il y a la cale moteur. Moteur de la cale moteur qui s'est allumé et on voit bien le voltage qu'il perçoit au niveau de la batterie
servitude. Voilà l'installation finie. Beaucoup plus rapide, comme je l'avais dit. Beaucoup plus de place aussi pour travailler. Hein, c'est... Mais bon, on est quand même exigu. Mais bon, on ne se plaint pas. Donc voilà, c'est une mission terminée pour ça. Et nous recevons mardi, voire mercredi, les batteries lithium qui arrivent à Saint-Martin. Donc c'est cool. Il n'y aura plus qu'à les poser. Et c'est terminé. Nous repartons dans le sud. Alors capitaine, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Après manger, le soir, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de... D'enlever les batteries au gel et de mettre les batteries lithium. Et ouais, et pourquoi la nuit? Pour que les panneaux solaires ne puissent pas produire. Alors c'est sûr que j'aurais pu désactiver les choses que j'avais fait, les MPPT, les mettre sur off. Mais déjà on travaille beaucoup plus au frais parce qu'il fait 34 degrés actuellement à Saint-Martin. Et demain matin, les batteries au lithium seront recharger directement au soleil, donc c'est top top top. Et là, ça, chaque batterie que j'ai actuellement, j'en ai 4 qui vont, elles ont à peine un an hein, de fonctionnement, et elles seront à vendre aux marins quand on descendra sur la Martinique. Et que dire de plus, ça va être chouette parce que là elles font 66 kg pièces, ce qui est considérable pour des 220 ampères gel. Par rapport, on les remplace pour à 28 kg pièces, on en a 3, elles sont juste là, une, deux, et juste à côté d'Océane. La troisième. La troisième est là, ouais. Donc on va les brancher en parallèle pour garder le même voltage, mais pour augmenter la capacité. C'est-à-dire que chaque batterie lithium ont une capacité de 300 ampères, x 3, 900. C'est top, top, top. Mais il va falloir, ça va être dur pour les sortir là. Dur, dur, dur. Allez, la dernière, et on n'a plus de courant sur le bateau. Donc là, je viens de nettoyer toutes les cosses. Les 3 cosses, donc en total les 6, parce qu'il y a le positif, négatif, où je les ai nettoyées avec du papier abrasif. Et là, je suis en train de les passer avec un produit nettoyant contact. Donc j'avais préparé en amont les protections pour recevoir les batteries. Parfait, voilà, en plus sans le vouloir, je rentre nickel dans le coffre étanche des précédentes batteries tronc. Voilà, super. Donc toute cette mousse, ça permettra de justement amortir les chocs. Après, nous avions le 2. Ouais, mais dans l'ordre, s'il te plaît. Je les ai numérotés. La une, je peux la prendre. Elle est ici. C'est tellement léger. Tiens, tu me la prends, s'il te plaît. Allez, la une est là. Je la prends. C'est bon, je l'ai. Rien à voir, hein, par rapport aux autres. Il y a marqué 06-2024. Ben, nous sommes le 06-2024, non? Oui, mais je vois pas. Ah, la 2. Non. Là, c'est la 2. Mais j'ai la une, là. Attends, c'est bon, attends. Là, c'est la 3. Voilà, super.
Donc la une. Tu arrives? Tu vas y arriver? Ça c'est la dans le lampe. Oui, de préférence. Il y a la deux. Passe-moi là, tu vas me passer la 3. Comme ça, je vais pouvoir directement la mettre sur le côté. Alors, pose là. Là, je vais, la faire glisser là. Donc, comme je montrais dans une vidéo précédente, voilà la marque que nous avons choisie. 300 ampères x 3. Très content, mais le vrai sauna ici. Voilà, super. Elles vont être bien ici. Oh, elles vont être super. Je vais voir avec le poids que nous avions. Attends, tu peux faire enlever. Voilà, merci. Et la dernière. Et elles sont là pour 10 ans au minimum. Elles sont garanties. Elles sont garanties 10 ans. Voilà. Super. Là, je mettrai des cales, d'ailleurs je les ai. J'avais pris le soin de mettre. Pas que ça saute. Super. Une affaire qui marche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les visser. En respectant le plus et le moins. Ouh, allez, donc le plus avec le plus pour l'instant je vais brancher les négatifs. Donc c'est une clé de 14. Donc il faut surtout faire hyper attention de ne jamais toucher le plus et le moins. Faut vraiment faire très attention. Là, c'était dévissé. Donc là, j'ai rajouté un plot parce que le positif reçoit 3 câbles de 75 mm². Et celui-ci en dernier, il en reçoit moins. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le négatif étant là, est-ce qu'il va pouvoir se brancher? Pour l'instant, je ne branche que les moins, les négatifs. Après, le gros là-bas, il est là-bas. Oh là là, qu'est-ce que je sue. Par contre, celui-ci, ça va être plus compliqué. Il va me falloir une... Il va être trop petit. Le... Donc, j'avais prévu le coup. Avec celui-ci. Voilà. Parce que cette vis ne va pas recevoir les deux. Par contre, il faut que je la visse jusqu'au fond. Donc, est-ce qu'il va falloir que je rajoute des rondelles? Je ne sais pas. Je vais voir. Voilà, et là ça sera plus facile. J'avais prévu le coup.
c'est du gros là. Deux gros. Voilà, pas de trou non plus. Donc là, c'est l'empreinte. Là. Et on peut même rajouter d'autres plots après, si on le souhaite. Voilà. Alors là, ça va compliquer la faire parce qu'il y en a deux. Ça n'aura celui-ci va me servir à rien. Soit vraiment en contact. Avec la batterie. Donc ça c'est du 13. Ça par contre c'est du 13. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien en contact. Et le dernier, plus facile. Faut vraiment veiller à que le positif et le négatif ne se touchent jamais. Jamais, jamais. Voilà. Donc là, je vais mettre une plus grosse rondelle. J'en ai des belles là. Voilà. C'est incroyable ça. Voilà. Le câble est mieux. Si c'est pour faire des... Voilà. Et voilà. C'est long, hein? C'est quand même long, mais ça y est, c'est fait. Mission accomplie. Dernier petit nettoyage. Voilà. Allez, on range tout. Allez. Et un bon petit film pour ce soir.